Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteurs. Dépendant du pays dans lequel vous êtes, la rentrée scolaire a débuté cette semaine. Donc, très bonne rentrée à tous les enfants SSR. Très bonne rentrée aux parents, ce n'est pas toujours évident pour les parents comme euh, certains parmi vous ou comme moi de préparer la rentrée. Je me souviens hein, lorsque j'étais encore euh, quand j'étais encore jeune, j'étais encore très jeune, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'étais euh, jeune, vous comprenez ce que je veux dire, quand j'allais euh, au lycée, je me souviens que la rentrée scolaire c'était une période très tendue à la maison. Elle était très tendue à la maison. Pourquoi Parce que euh, en plus de vaquer à ses occupations quotidiennes, mais mon papa et ma maman aussi, ils devaient justement préparer la rentrée scolaire. Et du coup, ce n'était pas une chose très évidente pour eux parce qu'il y avait une liste de fournitures scolaires. Il fallait qu'ils aillent acheter vu qu'on était très jeunes hein, pour les acheter nous-mêmes. Donc, euh, il fallait acheter les fournitures scolaires. Il fallait également nous inscrire euh, au lycée. Et bon, voilà, vous savez, hein, au pays, ce n'était pas toujours évident avec les inscriptions. Et donc, il fallait s'y prendre très tôt hein, pour pouvoir nous inscrire au lycée. Donc, c'était une période assez difficile. Aujourd'hui, je comprends mieux cela. Je comprends mieux cela pourquoi? Parce que je suis moi-même parent et j'ai des enfants que, euh, qui vont à l'école que je dois euh, pas forcément inscrire hein, comme au pays, mais il faut acheter des fournitures scolaires. Et la semaine dernière, j'ai décidé que je devais acheter la, les fournitures scolaires. D'habitude, c'est mon épouse qui s'occupe de ça. Donc cette fois, elle ne pouvait pas. Et elle m'a demandé si uh, je pouvais l'accompagner pour qu'on le fasse, hein, parce que elle était uh, un peu prise. Et donc je décide, ok, on va aller le faire ensemble. Sauf que quand j'arrive dans le dans le store hein, où on vend les, les fournitures scolaires, j'ai failli piquer une crise. J'ai failli piquer une crise <laughs> parce que je me suis rendu en fait, en fait compte que les fournitures scolaires pour le cas de l'Allemagne n'ont rien à voir avec euh, les fournitures scolaires au pays comme je connais. Hein. C'est-à-dire qu'ici, tout est normé, dépendant de la classe. Euh, troisième classe, c'est pas les mêmes fournitures scolaires que quatrième classe, c'est pas les mêmes fournitures scolaires que cinquième classe. À la garderie c'est autre chose, hein. ils n'ont pas besoin de grand-chose. Mais une fois qu'ils vont déjà à l'école, hein, est normé et du coup il faut faire attention à ce qu'on achète parce que je me souviens l'année passée mon épouse elle avait acheté des fournitures scolaires pour notre fille pour notre aînée et la maîtresse elle nous a fait comprendre que non c'était pas ce qu'il fallait et du coup il fallait acheter euh, il fallait tout il fallait tout racheter hein. heureusement elle nous a proposé d'acheter et on devait euh, lui rembourser euh, bref elle devait nous donner une facture qu'on devait euh, payer chose que j'ai accepté parce que c'est juste à côté de la maison donc c'était confortable pour nous et cette année, je me suis dit, OK, ben, il faut que euh, j'apprenne aussi à, à faire ça. Hein. J'ai je je, je, accompagné mon épouse pour qu'on achète les fournitures scolaires. Et comme je vous ai dit, j'ai piqué une crise parce que tellement il y avait des choses différentes. Que euh, je ne me retrouvais pas. Je ne me retrouvais pas. J'avais une liste de l'école sur laquelle était marqué exactement ce qu'il fallait. Hein? Euh, double Rand ou bien euh, Single Rand ou bien euh, il y a des numéros. Hein? Donc, comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont normées. Et ne pensez pas que ce qui est sur la liste des fournitures scolaires, c'est ce que vous voyez dans le supermarché. Donc, à un moment donné, je pète un cap et je commence à, <laughs> à crier sur ma fille. Hein. Je commence à crier sur ma fille. Euh, je je m'excuse d'ailleurs hein, pour ça. C'était euh, c'était pas cool de ma part, mais je, je perds le contrôle parce que y a tellement de choses et je ne trouve pas ces choses-là. Quand je vais même à la caisse, je demande à la caisse si on peut m'orienter. Les dames à la caisse, elles ne s'y connaissaient pas non plus, donc elles étaient euh, c'était c'était trop leur demander. Donc je me dis. Euh, c'est pas possible. Comment ça se fait? Je pense au pays. Au pays, on a besoin de quoi? Un cahier de 100 pages, un cahier de 200 pages, trois cahiers de ceci, cinq cahiers de cela. Donc, c'est que le, la quantité de pages qui fait la différence. Hein? Euh, et peut-être le style de ligne aussi. Bon, mais ça, c'est très facile. Hein? Les livres, on les trouve facilement, que ce soit au poteau, que ce soit en librairie, on les trouve facilement. Mais ici, je me rends compte en fait qu'il y a tellement de différences. Il y a tellement de différences différence dans les cahiers, tellement de normes à respecter qu'à un moment donné, c'est justement après avoir crié sur ma fille. Je lui dis, mais c'est quelle histoire ça Toi-même, tu ne connais pas. Est-ce que tu ne connais pas les cahiers que tu vas utiliser à l'école euh, Puisque je lui demandais, mais qu'est-ce que tu as utilisé la dernière fois Est-ce que c'est ça ici Elle me dit, non, je ne sais pas. En fait, ce qu'on utilisait était différent. Et c'est là que je me rends compte que ça dépend des classes. C'est-à-dire qu'elle qui était à la troisième classe ce n'est pas les mêmes cahiers ce n'est pas les mêmes normes qui sont en quatrième classe c'est normé c'est normé et donc je décide euh, et c'est là hein, peut-être mon conseil aux parents qui euh, doivent acheter des fournitures scolaires à leurs enfants et qui ne savent pas comment s'y prendre pour éviter hein, que vous soyez dans ce stress là dans lequel j'étais je vous conseille de suivre vraiment ce que j'ai fait j'ai décidé, ok, on abandonne tout, on n'achète rien dans ce magasin, on va rentrer à la maison, je vais m'installer sur mon PC et je vais aller sur Amazon. Ce n'est pas une publicité pour Amazon que je fais ici, mais je me sens dans l'obligation de parler d'Amazon parce que c'était ça, la solution pour moi. C'était tellement facile. J'ai tout simplement rentré les textes comme sur la liste des fournitures scolaires et cela s'affichait à moi maintenant de décider je veux ça en telle quantité et si vous avez Amazon Prime voilà le lendemain c'est chez vous c'est livré donc c'était le cas pour moi donc euh, cela m'a évité comment je veux dire quand je suis allé quand nous sommes allés au magasin euh, pour acheter les fournitures on a mis quoi quelque chose comme deux heures de temps hein. Et nous sommes rentrés sans rien parce que j'en pouvais plus. J'ai dit non, on va aller à la maison, je vais commander ça en ligne. Et à la maison, en maximum 30 minutes, j'avais déjà tout commandé. J'avais tout commandé et c'est exactement ce dont elle a besoin. Et euh, je sais que les, la maîtresse, voilà, c'est exactement ce qu'elle veut. Donc, il n'y a vraiment aucun risque. Et le comble, c'était même moins cher c'est-à-dire que un cahier que j'achetais dans, dans, dans la boutique à 1,50€ sur Amazon, je le trouvais à 89 centimes, un truc comme ça. Hein? Donc, les amis, je voulais partager ce conseil avec vous. Je tenais à partager cette astuce avec vous euh, plutôt que d'aller dans des boutiques, surtout si vous ne savez pas ce que vous allez acheter pour les fournitures scolaires des enfants, faites-le en ligne. Cela va vous faire gagner en temps, cela va vous faire euh, sauver beaucoup de nerfs et cela va vous éviter de crier sur l'enfant, de crier sur votre épouse ou de crier sur n'importe qui pour rien. Hein? Donc, Merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous gérez euh, les fournitures scolaires de vos enfants. Est-ce qu'il y a des astuces comme ça que vous, que vous pouvez partager avec la communauté SSA, justement pour nous aider à mieux faire, hein, pour nous aider à mieux faire pour nos enfants. Très bonne rentrée scolaire à tous les enfants SSA. Je sais qu'il y en a ici qui me suivent. Très bonne rentrée euh, aux parents. J'espère que vous allez très vite vous remettre des on va dire de cet investissement. J'appelle ça un investissement. C'est pas des dépenses, et des investissements. J'espère que vous allez très vite vous remettre de cet investissement. Bien de choses à vous. Portez-vous. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!